Thank you.
Yo.
ils sont pas très durs à tuer. Faut sortir d'ici. Il y a rien, je pense. Oh, il y a quelque chose là, peut-être. Sentier vient de moi. Ah, ça c'est intéressant. Pour ça, il fallait j'aille là, mais là, il faut chaque manquant d'être là. Bon, maintenant j'ai une voix. Il a dû me trouver bête, ça, il me répond pas. Je pensais que ça allait rester facile comme le chapitre 1 et 2. Là, ça commence à être plus dur. Je pense qu'il y a juste 5 chapitres. Ouais, c'est ça. J
déjà midi, je commence à avoir faim, mais ça me tente, j'ai l'air que j'ai pas beaucoup avancé. Quelque chose là-bas. On va faire une autre île, de toute façon on va aller manger. De toute façon on va jouer à Resident Evil 6. Qu'est-ce qui est ça? Il fait pas bien un peu à Resident Evil 6, c'est rare. J'arrive fini, il me reste deux chapitres dans Resident Evil, là. J'en fais un par jour. Comme je disais tantôt, quand je parlais dans le vide, je joue à plusieurs jeux par jour, mais toujours une heure, la plupart du temps. C'est beau, ça. C'est ça qui me permet de finir plusieurs jeux, puis pas me tanner trop vite. Plutôt d'endurer des jeux des fois. Des fois, il y a des jeux que j'aime pas jouer. Là. Comme tu sais, il y a un jeu que j'aime pas vraiment qui s'appelle Psychonaut. J'aime pas vraiment ça, mais je vais le finir pareil. Fait... À une heure par jour, ça s'endure. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas où aller. Ah! Je sais pas, je vais pas aller là-dessus. Ah ouais, avance! Ah bah ouais, le vent de face. Ah ouais, je peux y aller. Ah ouais! Là, j'ai pas d'encre. Bouge pas le bateau. Ça va augmenter mon endurance. Elle bouge pas, toi. Notre endurance vient d'augmenter. Excellent. Tabac. Ah ouais. Vas-y, caribou navigateur. Ça, c'est la destination finale, là-bas, j'imagine. Donc, c'est pas là, faut que je joue. Je sauvegarde. Et je fais du sur-place. Le but c'est toujours de trouver, là, j'en ai trouvé zéro, de trouver trois pierres. Après ça tu vas là, tu les places puis t'as un boss, mais là, là je fais rien. Là. J'ai pas trouvé une puis je reste sur place. Comme ça je me suis pété à l'air. C'est comme ça t'es devenu une femme badass. Il y a une île là-bas, on va aller voir ça. Ah ouais! Je coupe le vent. Non, pas toi!
Piou. J'ai arrêté dans la merde. Cette bibitte là, elle saute sur le bateau, puis elle le mange, puis après ça, tu tombes dans l'eau, puis tu perds ton énergie, tu perds ta vie. Quand elle commence à manger le bateau, j'ai de la misère. Jusqu'à date, ça s'est arrivé deux fois, j'ai jamais pu la tuer. Elle mange mon bateau complet. Bon, ben une île, j'en ai peut-être trouvé une. Ça pourrait peut-être finir la... ce jeu-là en beauté aujourd'hui. Je suis devenu... Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est un sidou qu'elle aurait dû se bâtir. Un bateau à voile. Ben... mieux vaut tard que jamais. Moi, je suis posé monter là, moi, ça. Ben, gagne, t'as pas. Non, je peux pas monter là, c'est impossible. Il manque de quoi? What? Ok. What? Ah ouais, tu l'as... putain. Quelque chose de rouge. Ah, il y a un gang, là. Bon. On va faire le tour. En frappant le gang, ça va probablement faire des escaliers pour monter sa montagne. C'est tant facile de monter, c'est descendre sans se péter la gueule qui est compliqué. Et voilà, le premier sur trois. Qui autrefois était sacré et aujourd'hui persécuté, les alliés sont devenus des ennemis pour toujours. Amen. Bon, c'était tout pour l'aventure du jeu Windbound Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!